m'appelle Michael Zézé et j'ai commencé le sprint, j'avais 10 ans. Et j'étais le gars qui courait le plus vite à l'école. Je réalise ma première sélection en équipe de France à Moscou. J'avais 16 ans. Et à ce moment-là, en fait, on nous envoie les équipements d'équipe de France. Et là, en fait, ça me fait quelque chose. Je me dis, voilà, ça y est. J'ai enfin franchi la première étape de ma carrière. À mes 19 ans, je me suis retrouvé au Stade de France à courir contre Usain Bolt. Je me suis retrouvé dans les starting blocks. Je payais pas de mine. Tout fin, avec mes lunettes. Et là, un stade rempli en face de 52 000 spectateurs. Et ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai vu à quoi ressemblait le très très haut niveau. J'ai couru contre les meilleurs. Ce moment-là, il sera gravé à jamais dans ma mémoire parce que c'est quelque chose qui me pousse encore aujourd'hui à aller de l'avant. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio. C'était ma première expérience. J'ai fait Tokyo. C'était la confirmation. Là, c'est Paris. C'est la maison. Je veux tout. Je veux tout. Clairement, aux Jeux Olympiques, je vois quelque chose de grand. À Paris, en 2024, je serai là.